Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, Monsieur le Commissaire, j'ai encore dans les oreilles les longs et animés débats que nous avons eus à propos des fonds européens de mondialisation. Notre collègue Madame Bachelot, avec laquelle j'ai travaillé comme avec mon collègue Cotigny pour ce fonds, nous a amené à prendre des décisions extrêmement importantes. Et que voyons-nous aujourd'hui? Que voyons-nous aujourd'hui? Qu'à peine 4% de l'aide qui était prévue a été consacrée, utilisée en 2007 pour ce fonds européen. Monsieur le Commissaire, vous avez déjà dit, écrit, que vous envisagiez de réviser les critères. Est-ce que cette révision des critères est à la hauteur des problèmes posés? Que nenni, quand il manque 96% de la consommation de cette aide, en fait, il faut se poser la question de fond. Est-ce que ce que nous avons voulu avec cette décision relative au Fonds européen de mondialisation est bien posé au niveau de l'objet même? Nous avons des défis démographiques, vous en avez parlé. Nous avons de nombreux défis économiques compte tenu de l'aspect mondial, compte tenu des aspects technologiques. Ce que je vous demande, Monsieur le Commissaire, ce n'est pas seulement sur ce fonds de mondialisation de revoir les critères, mais de revoir l'objet même de nos interventions.